Alors, c'est ici que ça se passe. Par contre, on va avoir un petit problème pour rassembler tout le monde autour de la table. C'est bon ? Alors. La police est partout. Ou la gendarmerie. Il y a que les gendarmes qui croient qu'ils sont pas des flics. Je mélange bien. Alors on va suivre maintenant un personnage qui sera auquel on peut s'identifier. Alors quelqu'un veut prendre une carte. Non, peut-être derrière. Alors, tu peux la regarder, la montrer à tout le monde, mais la police et moi non plus ne doit pas savoir ce que c'est. Je peux la montrer. Ah, merci. Je montre derrière. Alors cette carte, c'est un camarade, une camarade. Qui est placé en garde à vue. Et en fait, moi, je sais pas ce que c'est, je la place face en bas parce que, en fait, elle dit pas son nom. Mais la police a besoin de savoir son nom. Alors pour ça, comment ils font? Ils ont trouvé un téléphone portable dans sa poche et ils ont vu qu'il y avait des numéros de téléphone. Alors ils se disent, ah ben tiens, la belle affaire, voilà donc des complices. Alors ils envoient qui d'abord, la gendarmerie ou la police? La gendarmerie. La gendarmerie. Alors la gendarmerie va chercher à l'adresse qui correspond au numéro de téléphone qui était trouvé dans l'annuaire téléphonique. Et ils vont rechercher la personne qui habite à cette adresse. Ça va très vite, attention, ils font comme ça. Hop. Voilà. Et il y a juste une carte qui est entre les deux flics. Et cette carte, c'est le 5 de trèfle. Ça leur dit pas pour autant quelle est l'identité de la carte qui est leur pote. Alors, il leur faut trouver plus d'amis. Donc, on envoie toujours la gendarmerie ou la police ? La police. Alors la police, vous savez, ils se méprisent, police, gendarmerie, ils font très différemment. Ils vont l'un au-dessus du jeu, l'autre en dessous, en fait, de chaque côté de la rue de la manif. Et ils vont arrêter comme ça, hop, au vol, une personne dans la manif. Et je me suis gouré. C'était pas la bonne. Attendez. Ah zut, c'est pas grave, on va faire différemment. On va chercher directement comme ça. Tac, personne. Et ils vont essayer de trouver encore une nouvelle. Et pour ça, donc toujours de la même façon, les perquisitions directement au domicile. Comme ça là. Tac. Et ils ont une troisième personne. Voilà, ce serait quand même bien qu'ils arrivent à trouver. Mais l'identité reste un peu compliquée. Ils finissent par trouver quand même. Alors, c'est sûr, tout ça, la police, elle est haïe, gendarmerie, pareil, enfin, c'est les mêmes, hein, par l'ensemble de la population, parce que, en fait, leur métier, c'est d'opprimer les gens, c'est de leur mettre la pression, c'est de leur imposer un ordre social qui n'est pas celui qu'on souhaite, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont méprisés aussi, parce que, en fait, ils font qu'obéir à des ordres contre de l'argent. C'est une forme de corruption, bon, comme beaucoup, on pourrait dire de manière plus diffuse, beaucoup de choses dans le salariat. Mais enfin, la police, c'est quand même sur eux qu'on se confronte en premier quand on veut lutter. Et donc, pour ça, on les déteste. Et eux, ils s'en défendent de cette détestation. Ils disent, mais vous savez, en fait, au fond, on est des humains comme les autres. Vous savez, on a un cœur, on est des gens ordinaires. Ah oui, c'est des humains, oui, mais enfin bon, les gens qui sont arrêtés là aussi, hein, c'est des humains. Et pour autant, ils les font bien chier, quoi. Et puis merde, en plus, c'est des humains, pendant leurs heures du boulot, l'uniforme, quoi. Enfin, c'est des bleus, quoi. Enfin, je veux dire. Ils portent la violence de l'institution sur eux, ces gens-là, quoi. Alors après, qu'ils nous disent pas. Oui, puis. Alors heureusement quand même, les camarades ils savent comment tenir bon en garde à vue. Ça pourrait être le titre de Sourds de Magie, T comme tenir bon en garde à vue. Si c'est difficile de pas donner son nom, en tout cas,
ils répondent pas aux questions et le PV d'audition reste vierge. Ils donnent pas leur ADN, ils donnent pas leurs photos et ils donnent pas leurs empreintes digitales. Et grâce à ça, la police a beaucoup de mal à faire son travail. Et faut savoir que même si c'est pratique, elles finissent par infuser dans l'ensemble de la population. Eh bien, ça fait que. Encore.